Merde! Fermez la porte! Retenez-le! Putain, V, couche-toi! Il est cinglé! La massacre devrait arriver bientôt! Essayez de me retenir en attendant! Vous me parlez? Ne laissez pas me tuer! Rassemblez les témoins. Fallait qu'ils viennent jouer les petits bourges dans un magasin. Je t'entends, je te rappelle. Comme si je pouvais oublier. Vous, là-bas, déposition, tout de suite. Ah, enfin! Un bon coup de serpillière et tout reviendra à la normale. Problème résolu. Désactivez l'alarme. Asseyez-vous. Les mains bien en vue. Conformément à l'article 105 du Code de procédure cyberpsychose, vos dépositions seront enregistrées et conservées. Melissa Rory, officier de la MAXTAC, veuillez décliner votre identité et votre profession. Zane Jagger. Je travaille chez Jinguji, une oasis d'élégance dans... Oh, pardon, c'est l'habitude. V, Merc. Client occasionnel de Zane. Johnny Silverhand, légende du rock, voit dans la tête de ta V. Ta gueule, Johnny. Et aussi... Eh, laisse-moi faire semblant d'exister, des fois. Ok, c'est tout bon. Veuillez décrire ce qui s'est passé en commençant par le moment de l'attaque. Je proposais à V une offre immanquable quand j'ai... Quand j'ai soudain... Zane essayait de me faire acheter une merde à paillettes. Le psycho a débarqué et zigouillé les mignons. Zane a déclenché l'alarme et nous a enfermés avec ce malade. Merci, Zane. Monsieur Jagger a suivi le protocole de sécurité à la lettre. Il a considérablement réduit le champ d'action de l'assaillant. Ouais, j'avais remarqué. On a joué au chat et à la souris dans tout son champ d'action avant que vous vous pointiez. Autre chose? Un comportement suspect? En dehors d'avoir mis mes employés et la réputation de ce magasin en pièces, non, rien de spécial. Merci pour votre coopération. Ce sera tout. Le coroner a été mis au courant. Il sera bientôt là. Jagger, le magasin restera fermé jusqu'à la fin de l'enquête. Hé, V. Quand le magasin sera remis en état, revenez quand vous voudrez. Je vous choisirai un truc spécial. Rien que pour vous. Suivez ce rapport. Merci. À plus, Zane. Mort et deux blessés à l'intérieur du magasin, 6 morts à l'extérieur. Où est le coroner? Dans les embouteillages. Il sera un peu en retard. Beau boulot. Vous avez senti ça tout à l'heure? Sa vie qui quittait son corps? Une seconde, vos lames mantissent, c'est des Higurashi 23? Vous avez pas retiré de la vente en 69? Il me semble qu'elles entrent en conflit avec les processeurs neuraux. Elles touchent une partie du cortex préfrontal qu'elles devraient pas. J'en aurais acheté une paire sinon. Vous avez l'œil? Je me les suis fait poser il y a des années. Elles sont très précises. Je croyais que la MAXTAC préférait l'utilisation de la Marasaka, mais bon, je vois que vous maîtrisez parfaitement les vôtres. Elles m'aident à me souvenir. Quand je les vois, je revois ce qu'elles ont tranché. La chair, les os, même des implants, comme dans du beurre. Mais vous êtes du côté des gentils maintenant, hein? Vous les butez systématiquement? Il paraît que la thérapie, ça marche, des fois. Appréhender la cible vivante présente des risques supplémentaires pour les témoins. C'est peu pratiqué. Très peu. Très peu? Jamais, ouais. Vous avez sauvé combien de psychos dans votre vie? Changez pas de sujet. Vous l'avez senti mourir? Vous avez aimé ça? Ce quart de seconde où le sang coule encore, mais la vie s'est éteinte. Si vous cherchez votre psycho-âme-sœur, c'est pas moi.
Vous aimez ça, chasser et tuer. Peu importe que ce soit des psychos ou des types lambda. On n'est pas si différents, vous et moi. J'ai vu cette expression dans vos yeux juste après. Vous pouvez pas le cacher. Rejoignez-nous. On a besoin de gens comme vous. Je suis flatté, mais... je me sentirais comme... je sais pas moi... un merc avec des paillettes. Pensez-y. Vous avez un don.